Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker avec Snow Breeze sur Windows. Comment jailbreaker au firmware 4.0, l'iPhone 3G, iPhone 3GS ancien Boat Room, l'iPod Touch 2G, modèle MB seulement. Donc, les appareils que j'ai pas nommés, ils sont pas compatibles avec Snow Breeze. Donc, c'est pour jailbreaker au firmware 4.0. Donc, vous devez savoir que pour utiliser Snow Breeze, vous devez jailbreaker avec un firmware ultérieur. Donc, vous devez jailbreaker soit en 3.1.2 ou en 3.1.3. Mais si vous êtes jailbreaké en 3.1.3 ou en 3.1.2 avec Spirit, ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas être jailbreaké avec Spirit. Donc, moi, j'ai un iPod Touch 2G, jailbreaké avec Black Rain. Donc, on peut voir ici avec Black Rain. Donc, je peux vous montrer dans les réglages. Je vais essayer la luminosité. Donc, information, ici je suis en 3.1.2 et c'est un modèle MB, donc un iPod Touch 2G. Ok, donc, premièrement, ça vous prend le firmware 4.0. Ben, ça vous prend deux choses. Ça vous prend Snow Breeze. Donc, on peut aller sur Internet. Donc, j'ouvre Internet. Puis, on peut aller sur le site Internet juste ici. Donc, je vais mettre dans la description du vidéo, vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder directement. Donc, une fois que vous êtes sur le site Internet, vous êtes sur la page ici, vous cliquez ici Download for Windows pour Snow Breeze. Donc, vous cliquez là-dessus, vous mettez ça sur le bureau. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous l'avez juste ici. Et ça vous prend aussi le firmware 4.0. Donc, pour le downloader, je vais mettre un lien dans la description du vidéo juste en bas ici. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus et downloader votre firmware, soit du iPhone 3G, iPhone 3GS ou du iPod Touch 2G. Donc, une fois que vous avez les deux choses, on peut lancer Snow Breeze. Donc, on double-clique sur Snow Breeze. On accepte ici. Ok, là, ça dit... ça, c'est... l'application, c'est pas pour un... Si vous avez payé, demandez un remboursement, nanana. Donc, on clique sur OK. Et ensuite, ça vous dit Snow Breeze, c'est la version 1.6.1. Donc, on peut cliquer ici sur la flèche. Donc, je clique sur la flèche. Et on va sélectionner Expert Mode, ok? Donc, on clique là-dessus et on clique sur la petite flèche. Ensuite, ça va nous demander de sélectionner notre IPSW, c'est-à-dire notre firmware 4.0. Donc, je clique sur Browse. J'avais sélectionné le firmware 4.0 de mon appareil. Donc, je clique ici et je fais Open. Et là, ça va faire le processus et ça va reconnaître le firmware. Donc, ici, il y a un avertissement. Ça dit que Snow Breeze a détecté un appareil qui peut pas être jailbreaké si tu n'étais pas jailbreaké avant. Donc là ici, ça dit qu'il a reconnu un iPod Touch 2G. Si c'est un modèle MC, donc tu peux pas l'utiliser avec Snow Breeze. Puis ici, il est marqué en gros qu'on peut pas utiliser Snow Breeze quand on l'a jailbreaké avec Spirit. Donc moi, il est avec Black Rain, donc ça fonctionne. Donc je clique sur « I understand ». Et ensuite, je vais cliquer sur la flèche ici. Et là, on va sélectionner General et on va cliquer sur la flèche. Donc ici, il y a quelques choix. Donc, Enable Background Wallpaper. Donc, on sélectionne ça. On sélectionne le deuxième et le troisième. Donc, ces trois-là ici. Le dernier, on ne le sélectionne pas. Et ici, on ne touche pas à ça. Et on clique sur la petite flèche. Ensuite, on va sélectionner Cydia. Rock, vous pouvez le sélectionner si vous voulez. Moi, je ne le sélectionne pas parce qu'on peut l'installer via Cydia par la suite. Donc, ensuite, on peut cliquer sur la flèche. Et là, ici, c'est si vous voulez ajouter des sources, dans le fond, gérer vos sources pour que ce soit directement dans le firmware qu'on va créer avec Snow Breeze. Mais moi, je ne touche pas à ça. Je vais les installer via Cydia. Donc, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Donc, moi, je vais cliquer sur la flèche. Et ensuite... Là, ça vous demande si vous voulez choisir un custom boot logo. Donc, moi, je les laisse comme ça. C'est les boot logo de Snow Breeze. Donc, on peut cliquer sur la petite flèche. Sinon, vous pouvez en choisir là, là. Donc, je clique sur la flèche. Et ensuite, c'est terminé. Donc, on va sélectionner Boiled IPSW. Donc, on sélectionne ça et on clique sur la flèche. Donc, là, ça va faire le processus. Ok, donc une fois que c'est terminé, ça va marquer juste Done.
Puis ça va dire connect your iPod Touch 2G. Dans le fond, connectez votre iPod Touch 2G et le mettre en mode recovery. Puis là, ça dit juste de cliquer sur Shift puis de sélectionner Restore sur iTunes. Puis dans le fond, je vais vous montrer comment faire. Donc on clique sur OK. Et ensuite, on peut fermer l'application Snowbreeze. Donc ici, j'ai toujours mon firmware original de Apple. Mais ici, j'ai celui que Snowbreeze a créé. Donc si on voit ici, Snowbreeze iPod Touch 2G. Donc ça, c'est le custom firmware. Donc on peut ouvrir iTunes. Donc je vais sélectionner iTunes. Ok, donc une fois que j'ai ouvert iTunes, je peux connecter mon appareil. Ok, donc une fois qu'il est connecté, on peut le mettre en mode récupération. Donc on va cliquer 3 secondes, on va cliquer les deux en même temps, jusqu'à temps que la pomme apparaît. Ok, donc on peut lâcher celle-là en haut, puis on maintient celui-ci. Jusqu'à temps qu'il y ait un câble comme ça qui apparaît, donc on peut lâcher. Et là ensuite, vous allez voir iTunes qui dit qu'il a détecté un appareil en mode récupération. Donc on peut cliquer sur OK. Et là ensuite, je vais juste déposer la caméra. Parce qu'il faut que je pèse sur Shift. Donc on pèse sur Shift et on clique sur Restaurer. Et ensuite, on va sélectionner sur le bureau notre custom firmware de Snowbreeze. Donc je sélectionne ça et je fais Open. Donc ça va faire l'extraction du logiciel comme d'habitude et ça va restaurer au firmware 4.0 mais avec Cydia. Donc là on peut voir l'iPod Touch. Ok, donc une fois que c'est terminé, vous allez voir un message qui va apparaître. Donc là, l'iPod va redémarrer avec le Custom Boot Logo. Ça va loader bien vite, là. Ça prendra pas de temps, ça va prendre une dizaine de secondes. Ok. Donc là, iTunes va le reconnaître. Et voilà. Donc là, ça va demander. Ça va bien long. Ok. Donc là, on peut voir en arrière, il y a le background. Puis ici, on a Cydia d'installer. Donc, c'est ça. Puis on a le multitasking. Et les catégories ici, les folders. Donc, on est en 4.0, jailbreaké avec Cydia. Donc, c'est ça. C'était iPhone THQ pour vous montrer comment jailbreaké avec Snowbreeze. Votre iPhone 3G, iPhone 3GS ancien Boat Room et le iPod Touch 2G modèle MB. Donc ça marche pas avec le modèle MC. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et ça va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, n'oubliez pas de visiter le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci.